Et salut les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo FAQ les gars. J'ai fait il y a 2 semaines un post communautaire et j'ai dit de poser toutes vos questions les gars. Du coup bah on est parti y répondre. FAQ du coup spécial 3K abonnés les gars, encore merci. Go, bah, go les 4K, 5K, hein, voire plus, hein, on verra. Et du coup les gars, n'hésitez pas à soutenir, voilà. Et voilà les gars, on est parti tout simplement pour répondre à vos questions les gars, c'est parti. Donc, première question de Lexa qui me demande, tu penses avoir le level pour aller au World? Sincèrement, non. Parce que, en fait, faut vraiment s'entraîner énormément, faire beaucoup de scrims, beaucoup de tournois. Et moi, je fais pas, parce que j'ai la flemme. Et après, je pense comme n'importe quelle personne, si tu t'y mets à fond, je pense que tout le monde peut y aller. Enfin, tout le monde t'a capté, tu vois, avec un peu de motivation. Mais en tout cas, moi, je pense pas avoir le niveau pour aller au World. Donc, voilà. Si Best arrête d'hésiter, tu fais quoi? Et j'en sais rien, bah je ferai sur le moment ce que je fais. Je continuerai à faire des vidéos je pense sur d'autres jeux ou d'autres thèmes que j'aime bien. Je verrai. Es-tu cavalier ou es-tu sportif? Le choix est dur, mais je vais quand même dire es-tu cavalier en vrai. Es-tu sportif il est vraiment bien, mais es-tu cavalier je pense que je le mettrai au-dessus quand même. PS lâche rien, c'est le GOAT, bah merci frérot, c'est toi le GOAT. Prochaine question de TBC Brawl qui me demande, regrettes-tu le boost? En vrai de vrai c'est une bonne question. Je dirais pas que je regrette d'avoir boost. En vrai de vrai non. Parce que bah, ça me permet d'avoir un peu d'argent. Alors bon, techniquement j'ai mis de l'argent du coup dans un compte qui s'est fait ban, donc ça servait un peu à rien techniquement. Mais je regrette un peu, je me dis un peu c'est bête les règles de Brawl Stars qui. Enfin les priorités en mode y a des win traders qui win trade littéralement. Et qui se sont ban d'abord 31 jours puis ban def. Moi j'ai pris ban def direct sans avoir pris un avertissement d'abord. Donc on voit que les priorités de Brawl Stars sont pas forcément logiques, mais bon, après c'est moi qui fais les règles, donc en vrai je regrette pas tant le boost parce que du coup j'essaie de voir aussi le côté positif. Par exemple sur ce compte du coup je peux faire d'autres concepts de vidéos comme les speedrun, hein, du coup inspiré par TT21, mais voilà c'est un concept que je peux pas faire sur mon gros compte. Et un concept qui à ce que je vois vous plaît, donc c'est carré. Donc voilà j'essaie de trouver d'autres idées que je peux faire sur ce compte. Donc en vrai non je dirais pas forcément que je regrette le boost. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Gabriel. As-tu des projets sur YouTube? Alors les gars, le projet, je pense que pas mal de gens ont, ce serait de vivre les gars de YouTube. Ce serait une dinguerie. Et après, j'ai des petits projets petit à petit, mais le projet ultime, en vrai, serait vivre. Genre, ok, 100K abonnés, tu vois, déjà, je dis 100K abonnés, c'est assez bien, c'est stylé, moi aussi, j'aimerais bien. Mais le but premier, en vrai, serait vivre. Après, tu arrives à vivre avec moins de 100 000 abonnés. Là, c'est à plus de 100 000 abonnés. En fait, ça dépend vraiment de ce que tu fais comme vidéo et la fréquence à laquelle tu les fais. D'où vient ton pseudo? Les gars, mon pseudo, les gars, c'est juste des lettres, les frères, dites-vous. J'ai eu des pseudos qui étaient éclatés avant. Je m'appelais Kirwix, Karix, à la base, c'était Titanium Knight. Je me suis appelé Gatpai. Ouais, j'ai eu des blagues vraiment aléatoires. Et j'aimerais bien, je voulais mettre des lettres qui allaient bien ensemble. Et je me suis dit, Ice Blue, en vrai, c'est stylé, ça va bien ensemble. Et en fait, j'ai capté après que logiquement, ça va bien ensemble parce que c'est un mot en fait anglais, slow, donc c'est logique que ça va bien ensemble. Donc voilà, mon place, les gars, il vient de nulle part, il n'a aucun sens. Mais voilà, continuez comme ça, t'es le GOAT, merci frérot. C'est vous les GOAT. Question suivante, projet YouTube, bah, comme j'ai dit, projet YouTube, bah, ça serait d'en vivre, les gars, ce serait incroyable. Gameabo, comment ça, Gameabo, j'ai pas capté, mais je fais des Gameabo sinon des fois, bien en live. Non, bah après, j'ai dit Gabriel, ça a l'air, les gars, je suis à zéro. Voilà, pour tout vous dire, je suis à zéro. Et voilà, les gars, c'est carré. Prochaine question de Fulguro qui nous a écrit 6 questions. Donc, une partie. Quel est ton actuel. Wesh, quel est ton actuellement ton objectif? Oula, quel est actuellement, je crois que vous voulez dire, ton objectif sur Brawl Stars, Pushstack et Winstreak? Donc, actuellement, peut-être qu'il y en a, ils ont suivi un peu. J'étais rush, mais brawler, parce que j'aimerais bien faire 1000 de Winstreak. Après ça, les gars, je vais push quelques rangs 35, par-ci, par-là, je continue à faire des vidéos. Et comme mon compte sera maxé, mon but, c'est de push 100K d'un coup. Donc là, dites-vous, normalement, si j'ai pas été ban def, j'aurais été vers les 90K. Donc je pense que dans quelques mois, quand mon compte sera max, ce sera pas si compliqué de push 100K. J'aimerais pouvoir faire ça, genre 100K d'un coup, genre hyper rapidement, genre comme une physique en gros. Et voilà. Pour le pseudo ISO, je crois que je l'ai dit, mais je m'en souviens plus. Bah du coup, j'ai expliqué au-dessus. Il y a aucune explication, les gars. Voilà, c'est juste des lettres qui vont assez bien ensemble et voilà. Est-ce que avec Alex vous connaissez Cyril? Non les gars, je connais pas Alex Cyril. Mais c'est prévu de le voir pour qu'on se capte un jour. Un jour. Je sais pas quand, mais un jour les gars, c'est prévu qu'on se voit. Bah tu crées un club pour ta communauté YouTube. Alors c'est une idée que j'ai, mais en fait,
je me demande ce que je fais. Est-ce que j'essaie de créer un club plus ou moins haut classé, c'est-à-dire je vais à choix virer ceux qui sont les plus bas pour essayer d'avoir un club haut classé, ce qui ne m'intéresse pas, pour être honnête. Ou alors je crée un club et ceux qui font pas la méga pig, bah je les kick. Mais du coup, si tout le monde fait la méga pig, je kick jamais. Peut-être qu'il y en a, ils voudront venir. Il y en a, ils sont moins actifs dans le club. Donc je sais pas encore comment trop gérer ça. Mais oui, c'était une idée. Et je vais y réfléchir. Est-ce que tu vas continuer à faire que du Brawl Stars ou tu vas te diversifier? Pour l'instant, je vais rester sur Brawl Stars parce que honnêtement, ma vie, les gars, ça se résume à école. Je rentre chez moi, Brawl Stars, je mange. Non, en vrai, j'abuse. Mais des fois, je fais un peu sport aussi. Mais. Il n'y a pas forcément de vidéos intéressantes que tu peux faire sur le sport. Et même est-ce que ça vous intéresserait, je sais pas. Donc on verra plus tard. Mais pour l'instant, les gars, j'ai pas trop le temps de faire d'autres choses. Et pour ça, c'est là où je suis le meilleur. Enfin, genre, je suis assez bon sur Brawl Stars. Donc je peux partager plus ou moins mes connaissances sur le jeu. Et donc voilà, pour l'instant, je vais rester sur Brawl Stars et je verrai plus tard. Dernière chose, est-ce que les miniatures que je te fais te plaisent? Devrais-je améliorer tout dedans? Fulguro, tes miniatures, gros, elles sont incroyables. Tes dômes, elles sont incroyables, frérot. Il y a quelques trucs, une miniature, je crois que j'ai eu un petit truc, enfin un petit truc que je t'avais dit de modifier en bail ou quoi, mais sinon frère, tes miniatures elles sont incroyables, et si j'aime pas vraiment je te dirais si je veux mieux un truc, mais vraiment elles sont incroyables, c'est exactement comme je les imagine, enfin quand je te demande c'est exactement ce que je veux, c'est incroyable, merci frérot, surtout continue à faire ce que tu fais, j'adore ton contenu ainsi que tes idées de vidéos, j'aimerais tellement que tu reprennes le push. Car j'ai adoré regarder tes vidéos 70k, 80k, ne change rien, t'es le boss, merci frérot, merci Fulguro. Du coup le push les gars je reprendrai... comme j'ai dit, quand mon compte sera maxé, les frères, parce que j'aimerais bien faire du coup 100k d'un coup. Et ouais, je referai ça dans quelques mois. Et question bonus de Fulguro. Quand la facecam, alors les gars, la facecam, j'ai dit en live des fois, enfin j'ai dit ça en live plusieurs fois. Je la ferai, je pense, où il n'y a pas de. Enfin, où je vais dire comme Inox, aux 10 000 abonnés, mais en gros, moi, ce que je vais faire, les gars, je le ferai, je pense, quand j'aurai fini le lycée, parce que je me dis, imagine, il y a un gars qui connaissait pas. Il regarde tes vidéos et il reconnaît IRL, genre je me dis c'est trop bizarre frère. Après je dis pas que je suis connu ou quoi, mais je veux dire tu vois ça peut arriver. Et même je serais pas à l'aise et tout devant la cam, que non ce serait bizarre, c'est pas pour l'instant. Et je préfère faire ça plus tard. Donc voilà, donc dans quelques mois, voilà. Vous verrez mon gros crâne. Prochaine question de Christophe, regrettes-tu d'avoir boost? Bah du coup j'ai répondu, c'est quoi ton objectif d'abonner? Mon objectif d'abonner en vrai... Bah c'est le nombre d'abonnés qui me permettrait de vivre de YouTube. Voilà, sinon à part ça en vrai les 100k en vrai sera stylé. Pour le petit trophée YouTube, je sais qu'il l'a enlevé pour le truc des 100k, mais je serais de remplacer quoi, j'ai pas tout suivi mais voilà. T'as quel âge? J'ai 17 ans les gars, je suis en terminale, voilà. Qu'as-tu tenté le top 1 et faire un jour? Si un jour je fais que Brawl Stars toutes mes journées, genre matin au soir je fais que Brawl Stars, enfin en mode je veux dire je fais de Brawl Stars. C'est possible, si j'en ai envie en vrai je pourrais tenter. De rush top FR je sais pas, mais en tout cas dans le top FR pourquoi pas en vrai, ça va être une idée. Ok, la prochaine question de ton ami qui me demande c'est quoi ton nom du coup Gabriel, t'as quel âge? 17 ans. C'est qui ton perso préféré? Alors les gars j'hésite beaucoup, enfin j'ai un peu des phases en mode en général j'aime bien le brawler, après je me lasse un peu, j'aime bien ce brawler là, mais en général les gars mon brawler préféré c'est Colt, les frères depuis le début du jeu, c'était mon premier en 20, je me rappelle à l'époque quand vraiment c'était Max. Je regardais que lui, même en ce moment, j'aime bien jouer Colt, j'ai fait Master Only Colt, j'ai fait Légendaire 1, Old PL Only Colt, c'est vraiment le brawler que j'adore, mais des fois en fait je joue trop, du coup j'ai un peu marre, du coup j'ai un peu Mortis, Buzz, des trucs comme ça. Et voilà, du coup, numéro 1, je dirais quand même Colt. Ton youtubeur préféré, je sais pas si tu parles hors BS ou dans BS, mais sur Brawl Stars, je regarde Periado et YouYou de temps en temps, je regarde pas trop de vidéos en vrai. Je regarde par-ci par-là 2-3 vidéos, mais en général, j'irai Paredo et YouYou. Et hors Brawl Stars, j'irai Mastu, même si en ce moment, je regarde plus trop les vidéos. Tes projets pour l'avenir, bah, comme j'ai dit, les gars, j'aimerais bien vivre de YouTube, les gars, ce serait un rêve, vraiment, ce serait incroyable. Après, si j'arrive pas, bah, j'ai d'autres projets. Hein. Peut-être faire des études dans l'audiovisuel ou dans le sport, je sais pas encore, les frères, faut que je me décide pour l'année prochaine. Mais voilà. Quel IQ qui me demande, t'as quel âge, de quelle origine, les gars? J'ai 17 ans. Et pour l'origine, je vais pas spoiler les frères. Mais ils savent. Et voilà, si vous pouvez leur demander, les gars, mais. Je vais pas spoiler. Peut-être un jour, je dirais, mais. Mais voilà, en vrai, y'a rien de fou, les gars. Prochaine question de Neza. C'est quand tu mets mes modos? Un jour, peut-être, hein, qui sait. Si t'es sage. Je dis ça à tout le monde, j'ai l'impression, mais au calme. Pourquoi Islo? Bah, du coup, j'ai répondu, les gars, y'a aucune explication. T'es en pro ou général? Genre, en général, c'est un peu éteint. Genre déjà là en pro, mais en fait le pro, genre c'est un peu
Il faut vraiment savoir ce que tu veux faire et il n'y a pas n'importe quel type de pro genre à côté de chez toi, tu vois. Genre moi, si je voulais faire un pro audiovisuel, fallait que j'aille hyper loin et bah, du coup un peu la flemme. Et du coup voilà, je suis en général. Tu t'habilles bien en mode thermodo ou pas? Et pour moi, les cas, premier degré, je trouve que je m'habille bien. Après, à confirmer par mes potes IRL, je sais qu'ils regardent mes vidéos, du coup peut-être vous pourrez confirmer les cas si je m'habille bien ou pas. Et voilà. Quelle couleur sont tes yeux, cheveux? Mes yeux, les gars, je suis tout noir. Enfin, tout noir, c'est bizarre, j'ai pensé à les gars, mes cheveux sont noirs. Mes yeux sont noirs. Je sais pas si j'ai des cheveux, j'ai mes rouges, j'ai yeux noirs, cheveux noirs, voilà. Combien mesure ton bengala? Il mesure 48 cm. Voilà. En vrai, c'est pas beaucoup, je crois. C'est un peu en dessous de la moyenne, mais au calme. Pour combien d'euros tu. Gayako Bémé! Jeannette. Pour 10 centimes, en vrai. T'aimes bien les pieds? Moi j'aime bien tes pieds. Prochaine question de Christian. Tu penses faire de l'e-sport? J'en ai déjà fait à très bas niveau. C'était une bonne expérience, mais voilà, j'aime pas faire les scrims, j'ai trop la flemme. J'ai la flemme de faire les tournois, de me forcer. Genre des fois ça peut m'arriver de vouloir faire un tournoi ici, tu vois, c'est pour m'amuser, mais faire un tournoi me forcer, j'aime pas. Les scrims, j'aime pas. Donc je pense pas refaire de l'e-sport après. Faut jamais dire jamais, mais voilà, pour l'instant c'est pas prévu. Ton famille et prénom? Bah prénom, je vais dire Gabriel. Et mon ami, voilà, je vais pas dire, hein, logique. Top 5 de tes brawlers préférés? Top 1 Colt, top 2 Mortis, top 3 Buzz, top 4, là j'ai Dynamite, et top 5 en vrai, j'irais bien manger. Top 5 des brawlers que tu détestes? Je sais pas si tu parles des brawlers que je déteste affronter ou que je. Je déteste jouer, du coup je vais dire, je pense que je déteste jouer. Du coup, je déteste jouer Bartaba, les frères. Je crois Bartaba numéro 1, Chic numéro 2. Facile, Pam aussi, Pam elle est bien chante. Pam c'est bien éteint à jouer. J'aime pas jouer non plus. Otis, les gars, Otis j'aime pas du tout le jouer. Et je crois que je suis à 4 ou 5 là. Et j'aime pas jouer Gus. La Gus j'aime pas non plus. Et je sais pas si je suis à 4 ou 5, peut-être, je suis à 5 là. En dernier, je dirais, j'aime pas jouer Penny. Et voilà. Tu penses avoir 5K, 10K, avoir 100K en combien de temps? 5K en vrai, je pense. Peut-être février 2025, en vrai, je pense. Je pourrais avoir les 5K, genre 10 février 2025. Les 10K, peut-être pendant les vacances, en vrai. Les grandes vacances. Après, ça dépend si je charbonne ou pas, tu vois. Mais si je continue à ce rythme de vidéo là, une fois par semaine. De temps en temps, après ça va aller beaucoup plus vite, hein. Peut-être les 10K, du coup je dirais ouais, pendant les vacances de 1900, les grandes vacances. Et 100K les gars, peut-être dans un an ou deux en vrai, si je continue et si je charbonne. Après qui sait, ça peut aller beaucoup plus vite, ça peut aller beaucoup plus lentement, du coup voilà, je sais pas. Mais du coup pour 5K, 10K, je vous ai dit ce que je pense en vrai. T'as que là j'ai 17 ans du coup. Une prochaine vidéo de Zera Spy OMG, une vidéo avec moi. On peut voir ça en vrai. Sur vidéo Fit My Oldest Subscriber OMG. Deuxième fois que je pose la question, Octogone Soray versus toi, moi qui gagne. Et je sais pas, frère, je me suis jamais battu. Vous avouez, les gars. Je sais pas, les gars, je te connais pas en plus. Et donc voilà. Enfin, je te connais pas, t'as capté. 3. Anthony Sirius ou Mathieu Merlier ou Astérion. Je connais que Anthony Sirius. Du coup, voilà. Je vais rapidement répondre à la question. Et plus d'inspiration, frère, bah, force à toi, Sirius. Prochaine question de Postium Alex, ton body count, il est de 0 les frères, ça tue les gars, 0, incroyable. Je préfère McDo ou BK? BK les gars, avant je préfère McDo mais on m'a fait découvrir BK les gars, BK ça tue les frères, les petits onion rings là, incroyable. Avant PS tu joues à quoi? Alors les gars, bon, faut savoir que j'ai pas de console, pas de PC ou quoi, donc j'ai que tryhard les jeux mobiles, à savoir avant j'ai tryhard Clash Royale, j'avais genre... 6300, truc comme ça, 6000 quelques trophées quand le record, enfin quand le max c'était 7000. Donc j'étais pas mal en vrai. J'avais très hâte aussi à l'époque, j'avais très hâte Geometry Dash. Et voilà, après j'ai dû à quelques jeux par-ci par-là, mais c'est les deux seuls jeux que je me souviens d'avoir très hâte. Et j'ai joué aussi un peu à Fortnite, mais pas beaucoup. Objectif de vie autre que Brawl Stars? Bah, je sais pas si tu comptes YouTube dans autre que Brawl Stars, mais à part ça. En vrai, moi, ce que je veux, c'est juste faire un taf qui me plaît. Genre, je m'en fous si je gagne pas beaucoup d'argent. Moi, juste faire un taf. Quand je me lève le matin, je suis content, tu vois. Et voilà. Combien tu gagnes par vidéo? Alors, faut savoir, les gars, que je suis pas rémunéré sur les vidéos. J'ai, comme j'ai dit, la première partie de la monétisation. En gros, à 3000 heures de vidéo, j'ai les sponsors et les dons. Donc, ce que j'ai. Et à 4000 heures,
J'ai les pubs sur les vidéos. Donc moi je suis pas encore à 4000, je suis à 3500, 3600 par là. Donc voilà, je gagne pas encore d'argent sur les vidéos. Prochaine question de Zodiac, je suis le god que je pense être. Ouais, t'es trop chaud quand tu mets tes gros poteaux là. Incroyable. T'as quel âge du coup? J'ai 17 ans. Kayako Bémé. Prochaine question de Amine, tu vas aider des abos rentrantes ou master? Alors rentrante c'est déjà fait, j'ai déjà aidé plusieurs rentrantes. Mais master, j'ai déjà pensé, mais en fait je vous avoue c'est hyper long et comme mon coach il est pas maxé, donc c'est un peu compliqué de carrière rentrante. J'ai que je crois une vingtaine de brawlers à jouer, donc c'est un peu compliqué pour carry master. Mais peut-être plus tard quand mon coach sera plus ou moins maxé. Pourquoi t'as commencé YouTube? J'ai commencé YouTube parce que je trouve comme tout le monde dit un peu, j'aime bien partager. Enfin, on va dire j'aime bien flex, tu vois. J'aime bien montrer, waouh, regarde, j'ai mis un rentrant, MG, t'as vu, je suis trop fort. Un peu dans ce style-là. Alors c'est pas non plus à ce point-là, t'as capté, mais j'aime bien montrer ce que je savais sur le jeu, ce que j'arrivais à faire. Et du coup, partager, faire des petits clips avec Mortis, par-ci par-là, avec Cote et d'autres brawlers. Enfin, je trouvais ça stylé. Je voyais ça sur d'autres vidéos après, donc ça m'a inspiré. Mais les toutes premières vidéos, c'était vraiment juste des connaissances un peu que j'avais. Enfin, des connaissances. C'est-à-dire que ma deuxième vidéo, pour ceux qui voient, c'était un bug que j'avais appris sur le jeu et du coup, je l'ai montré. Et voilà, des trucs comme ça. T'aimes faire quoi? J'aime graille. J'aime faire du sport, ça dépend du sport, mais en général j'aime bien faire du sport. Même si j'en fais pas de fou, du coup je vois Brawl Stars. Et faire des vidéos, en vrai c'est... Après, je sais pas frère, j'aime bien, après bon, tu vois, voir mes potes, des trucs comme ça, tu vois, c'est normal. Voir mes potes, la famille, tu vois, c'est normal. Est-ce que tu trouves que j'ai un bon level ABS? Je t'avoue, Elias, j'ai pas beaucoup joué avec toi, donc je sais pas frère, je sais pas... C'est un bon niveau, ma seule référence c'est quand je t'ai mis 5-2. Avec Piper en 1v1, mais pour ça, au calme. Bref, du coup, les gars, c'est la fin de la vidéo. Merci à tous pour avoir regardé. Merci à tous pour toutes vos questions. Go les 4K, les 5K, bientôt. Pour le partenaire Supercell, les frères, ce serait incroyable. Ça permettrait de vous offrir des skins, donc ce serait incroyable. Et du coup, les gars, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, un prochain live. C'était Aislo. Ciao.